Les images de ce supermarché et des produits qui tombent témoignent de la violence du séisme. En quelques secondes, la secousse de magnitude 7-6 a provoqué une grosse frayeur aux habitants de la région côtière de Los Lagos, située au sud de la capitale chilienne. Immédiatement, une alerte au tsunami a été lancée et 5000 personnes évacuées. Finalement, plus de peur que de mal, en ce jour de Noël, le tremblement de terre a fait des dégâts matériels, mais pas de victimes. Nous pouvons annuler l'alerte de précaution pour tout le pays. Les gens peuvent retourner chez eux dans le calme. Le Chili fait partie des pays les plus frappés au monde par les tremblements de terre. Le dernier gros séisme dans le pays remonte à 2010. Il avait fait 15 morts.